Et salut à tous, c'est Kishnifu et c'est parti pour la seconde vidéo de l'Odyssée de Ape Escape. Ou de Ape Escape, enfin on s'en fout, hein, déjà. Bon, j'ai trouvé mon bon emplacement, là ça y est, je suis bien. C'est parti pour une heure, et oui, puisque comme je l'ai dit dans la première partie, je ferai pour chaque vidéo une heure de jeu. Ça me va très bien. Alors on va pas mettre nouvelle partie, on va mettre chargé cette fois. On va pas se gourer quand même. Parce que bon, j'ai pas fait grand chose la dernière fois, mais j'aimerais pas y perdre malgré tout. Bon, il y a toujours cette histoire de 6.0%, je comprends toujours pas, mais bon. Peut-être que ce mystère se révélera après quelques heures de jeu. Donc on verra bien. Ah oui, j'avais même pas essayé encore de charger. Je sais même pas si ça marche. Attention. On va savoir ça tout de suite. Déjà tout s'est coupé là. Ah ouais, d'accord. Ah, il s'est dit même pas chargement réussi. Bim, ça te met directement sur l'heure de jeu. Bah, tant mieux, tant mieux. Bon, ça me fait plaisir de retrouver mon petit Spike. Tiens, Spike, d'ailleurs, avant de m'appeler Kishnifu, avant d'avoir le pseudo Kishnifu, en fait, je me rends compte, enfin, je me souviens plutôt que j'utilisais beaucoup ce pseudo de Spike, et je crois que justement ça venait de ce jeu là. Et tous les gens, je me souviens quand je... Ah, c'est une nouvelle zone, d'accord. Je vois que j'ai pas la pièce de Spectre. Oh, c'est pas grave, je pense qu'il y a d'autres niveaux où je l'aurais pas. Ouais, comme j'ai dit, on va aller faire d'un coup. Alors, rivière sauvage, tac tac tac, allez, c'est bon. Oui, je disais avant que j'ai ce pseudo de Kishnifu, et j'utilisais beaucoup. D'accord, un nouveau gadget. Ok. C'est quoi comme gadget? C'est un radar à singes qui t'aidera à trouver des singes. Je te les envoie. Et scellez-les dans ta zone d'entraînement. Finis cette phase, sinon tu ne pourras pas passer au niveau suivant. Bonne chance. Bon, d'accord, merci, mais attends 2 secondes, je vais baisser le son de ma télé parce que là je l'entends en double, c'est chiant. Voilà, parce que j'ai mon casque et ma télé, donc... C'est chiant d'entendre deux fois le même son en un petit peu décalé. Alors oui, le radar. Mais ouais, mais je me souviens de ça. Mais à quoi il sert, enfin, je veux dire. Ah si, ouais. Le radar à singes t'aide à trouver les singes, fais-le tourner en faisant tourner. Ouais, bon, peut-être quand le niveau devient trop grand, peut-être. Sûrement. Le son change quand le radar détecte la direction d'un singe. Plus tu te rapproches d'un singe, plus le son devient fort. Tu peux trouver les singes facilement. En faisant tourner le joystick droit, oui, bon, c'est bon, hein, y a rien de plus simple. Tu trouves le singe qui se cache dans la boîte en te servant du radar. Ah oui, parce qu'il y en a qui doivent bien se cacher apparemment. Tout comme l'autre dans la première vidéo que j'avais faite, il s'était caché sous l'œuf, enfin sous la coquille d'œuf. Mais bon, ça va, hein, pour le trouver. Trouve 3 singes et la sortie s'ouvrira. Tiens, pendant que... Ouh là là, il y a des bugs de caméra là. Je tourne le joystick, ça... Joystick gauche. Essaye d'avancer et ça bouge l'écran, c'est marrant. Enfin bref. Trouve les singes en faisant tourner le radar. Oui, mais je sais, c'est bon. Puis marche sur l'interrupteur rouge pour ouvrir. Oh, ça y est, ça... Eh oh! Vous savez, c'était déjà des jeux casu en 99. Si tu ouvres une boîte sans singes, tu devras... Ah, d'accord. Alors, fais bien attention au son du radar. Mais oui. Bon. Oula, et tu me casses les couilles, toi. Alors. Eh ben, je pense que... il y a 2 endroits. Alors là, il y en a 2, non? Attends. Et là, il y en a un autre. Bon. Je sais pas. Bon, ok. Ah, mais ouais, il doit y en avoir plusieurs. Mais oui, ils ont dit 3 singes. Putain, moi, je gueule contre eux. Et j'ai le moyen de pas me souvenir. Quoi, c'est pas fini? Ils ont bien dit 3, hein. Oui. Bah après, je vais là, ouais, c'est ça. Oui, de toute façon, il n'y en a plus. Tac. Il est temps de t'en servir. Bah oui, c'est vachement bien, ça. Pour de bon. Pour te servir du radar, appuie sur Start pour sélectionner les gadgets triangle. Pour utiliser un nouveau gadget, tu dois le configurer. Appuie sur Start puis triangle. Fais voir ça un peu. Gadget, ah oui, mais quand je serai dans le niveau. Ah, mais oui, parce qu'après, on va forcément avoir plus de gadgets que de touches.
suivi l'extinction des dinosaures. La vie humaine n'existe pas encore, mais certains signes révèlent l'existence de civilisations. Si ce n'est pas l'œuvre des singes, ce serait une grande découverte pour la science. J'aimerais en savoir plus, mais trouvons d'abord les singes. Autre chose, tu auras peut-être remarqué qu'il est plus facile de les capturer si tu t'approches discrètement en te baissant ou en te cachant. Bah, la dernière fois, ça n'a pas été le cas. Ouais, bah merci. Ouais, non, pendant qu'il parlait, là, il disait que le... Que justement, on passe à une autre ère qui est... Oh, Spectre. Attendez, je me tais, là, j'ai du respect pour lui. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Oh, cette voix. Mon nom est Spectre. Je suis le conquérant de la nouvelle terre et le chef des singes de la... Mais il a pas la classe, franchement. Vous? Je vous ai déjà vu. Que se passe-t-il ici? Spectre, le petit singe du parc d'attractions. Quoi? C'est l'adorable petit singe du parc? Je m'en souviens plus. Je sais seulement que j'ai acquis un savoir considérable et un pouvoir énorme. Grâce à vous, professeur, et à votre casque. Écoute, Spectre, c'est vrai que ton... casque d'intelligence te permet de révéler tes dons cachés. Il peut même te transformer en génie. Mais cette invention n'est pas terminée et très dangereuse. Rends-moi ce casque immédiatement. Pas terminé. C'est une invention formidable. Il est trop tard de toute façon. Nous avons déjà fabriqué un nouveau casque. Le mien est spécial. Il est plus sophistiqué. Enfin, je vais envoyer mes compagnons et mes monstres vers différentes époques pour réécrire l'histoire de la Terre. Les humains ne seront plus jamais l'espèce dominante. Je vais conquérir le monde. N'essayez pas de m'arrêter. J'attaquerai quiconque se mettra sur mon chemin. De quoi parles-tu ? Spike vous attrapera tous. N'est-ce pas, Spike ? Magnifique doublage. C'est ça, Spike. Je t'ai préparé un camarade de jeu. Buzz ! Spike, je pense qu'il faut régler certaines choses entre nous. Je vais te battre. Et tu ne peux rien faire contre ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que fait Buzz ici ? Que se passe-t-il ? Tu as complètement changé. Buzz, reprends-toi. Tu m'entends? N'insiste pas, Cathy. Il est manipulé par Spectre. Tout à fait, professeur. Le Buzz que vous voyez n'est pas celui que vous connaissez. On l'a fait renaître. Eh bien, bon courage à tous. Amusez-vous bien. Au revoir. Bon, vous savez quoi, j'ai mis le son de ma télé parce que ça m'emmerde. Il y a toujours le son de mon ordi qui se coupe au bout d'un moment. Donc bon, bah, j'ai mis le son de ma télé. J'espère que ça s'entendra pas dans le micro là. Bon, je suis assez loin de ma télé, donc ça peut aller. On verra bien. Bon, pendant les niveaux ça va, je peux baisser. Mais après pendant les cinématiques je remonterai, je couperai le son de mon micro. On peut faire ça. Ouais, allez. Non, mais là, je trouve ça énorme, en fait. Je redécouvre pratiquement le... Enfin, pas... Si, même complètement. Je redécouvre complètement l'histoire, le jeu. Parce que, en fait, je me rends compte que je n'avais jamais suivi l'histoire. Je m'étais jamais rendu compte à quel point elle était... pas poussée, parce que... Une histoire poussée pour un jeu de cette époque-là et de ce type-là, c'est ça n'a jamais été vraiment le cas. Et puis, bon, vous voyez bien, quand ils parlent, les personnages, ça fait très, très nanardesque. C'est très... Puis bon, à l'époque, les jeux vidéo, c'était pas traité autant au sérieux qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, en fait, les doublages non plus.
Alors, on avait des histoires quand c'était parlé, surtout doublé en français. On avait des histoires un petit peu... la narration était pas terrible, quoi. Enfin bon, vous l'avez vu. Et donc, du coup, finalement, malgré ça, le concept, qu'il soit revenu en arrière et que là, justement, Spectre veut réécrire l'histoire, je trouve ça vachement classe et je me souviens vraiment pas. Là, la scène, la grande scène qu'on vient de voir, je me souviens vraiment pas. À part peut-être son pote qui a été ensorcelé, mais à part ça, je m'en souvenais pas du tout. Et ça me surprend, ça, je trouve. Moi, je pensais que, bon, voilà, c'était... les singes, ils avaient pris le contrôle, etc. Mais je me souvenais plus du tout de ça. Que Spectre, il veut carrément changer l'humanité. Puis bon, ce qu'il dit, c'est vachement... Enfin, il y a des moments, des dialogues dans les jeux comme ça, anciens, où les dialogues, bon, c'est... Oh là là, je suis le grand méchant, je vais te taper, ha ha ha, et c'est moi qui vais gagner. Ouais, d'habitude, c'est ça. Alors que là, c'est... je vais carrément changer le cours de l'histoire pour faire en sorte que l'espèce humaine ne soit plus la seule espèce dominante. Ah, c'est vraiment des termes pas techniques, mais je sais pas vraiment comment dire, mais historiques, voilà, c'est des... Ouais, je sais pas comment expliquer, mais finalement, malgré ce côté un petit peu nanardesque, ça fait mature. Voilà, et ça me plaît. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc bon, bref, après ce petit monologue là, on dirait que les singes se cachent. Serre-toi du radar à singe pour les trouver. Pour utiliser nouveaux gadgets, je sais. Alors, il faut que j'aille là. Et là, il faut que j'aille là. Et je vais le mettre sur... je vais le mettre sur... oui, bon, on s'en fout de toute façon. Allez, carré. Tac, parce qu'après... Non, carré, parce qu'après, de toute façon, je l'utiliserai avec... je sélectionne et là, je fais ça. Ah, il y a autre chose aussi que je trouve exceptionnel, enfin que... Oh putain! Oh, elle m'attaque, je savais plus. Si je tape, là, il y a plein d'abeilles qui sortent, non? Ah non. Il y a des espèces de biscuits. Ouais, un truc énorme, c'est le... Tiens, je l'avais même pas vu, je l'ai tapé, je l'avais même pas vu. C'est le... c'est Spectre. C'est Spectre. Je suis désolé, j'arrête pas de le dire, mais qu'est-ce qu'il a là? Non! Non, 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 non! Putain, elle m'a enlevé un biscuit, non? Même pas? Oh, bah c'est parce que je me suis bien débattu, alors. Ouais, non, j'arrête pas de le dire, mais... Punaise, mais qu'est-ce qu'il a, la classe? Allez, tiens. Merde, je l'ai pas eu? Oh, j'ai cru que je l'avais... Non! Dégage, dégage, dégage! Putain, je sais pas ce que je fais, mais apparemment, j'arrive à me dépatouiller de... Oula, mais c'est que ça commence à déjà devenir un peu plus compliqué, là. Ouais, oh, pas besoin du radar, hein. Enfin, pas tout de suite, en tout cas, hein, franchement. Bon, il m'attaque, là, non? Oh, putain, mais elle a réapparu, quoi! Allez, tiens. Putain, et dis donc. C'est que ça devient plus compliqué. Allez, toi, je vais t'avoir. Putain. Allez. Je t'ai eu. Voilà. Ouais, non, j'arrête pas de le... Mais... Non, mais c'est bon, là. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Ouais, Spectre, il a trop la classe. Et la dégaine, mais c'est... Il est là, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre. Et pourtant... Pourtant, il sait très bien ce qu'il fait, il est... Voilà, c'est pas aussi un boss qui est... C'est pas un boss imposant, comme on peut voir des fois dans la plupart des jeux, où ça se prend vachement au sérieux, le méchant, il est... Putain, mais dis donc, je vais crever, moi. Le méchant, il est vachement gros, vachement imposant, il est intimidant. Alors que lui, pas du tout, c'est pas du tout dans cette veine-là, et c'est typiquement le genre de boss, d'ennemi principal que j'adore. Voilà, il a la dégaine, la mentalité, tout que j'adore d'un méchant idéal, pour moi. En tout cas pour moi. Putain, mais dis donc, faudrait une petite rallonge quand même à ce sabre-là. Ce serait pas de refus. Bon, toi... Oh putain! Oh là là! Oh, comme il m'a attaqué, mais là, je pouvais rien faire, là. Là, je suis monté, j'ai bourriné le joystick pour l'attraper. Et ouais, où est-ce que je récupère des biscuits? Putain, ça y est, on passe à une zone au-dessus et ça y est, je suis complètement perdu, en fait. Ça commence bien, en tout cas. Mais c'est bien, ça fait du challenge parce que, mine de rien, je trouvais qu'il en manquait dans la première partie, mais c'est normal, c'est pour nous habituer. Tiens, là, est-ce qu'on pouvait... Allez, grimpe. Est-ce qu'on pouvait... Oh, mais non, s'il te plaît.
Mais est-ce qu'on peut y aller là? Ouais, non, bien sûr, on est bloqué. Évidemment. Donc, je sais pas, peut-être un petit passage secret. Alors, est-ce que j'ai oublié des trucs? Oh, de toute façon, comme je l'ai dit, on va pas se focaliser sur les. Sur les choses à avoir. On va surtout se focaliser sur les singes à attraper. Et tout ce qui sera pièces et tout le teint de soins, et ben ce sera. Bon, on va appeler ça dans la deuxième partie de l'Odyssée. Ah, oula, ça s'indique quelque chose. On va avoir un radeau, il va falloir le faire bouger, je crois, un moment. À un moment, on aura un truc comme ça. Mais c'est pas ici, apparemment. Bon, on va se focaliser sur les singes et dans la deuxième partie de l'Odyssée. D'ailleurs, je sais même pas si je le ferai en vidéo. Hein. Ah oui, voilà, il est là-bas, le bateau. Je sais même pas si, parce que je sais pas si ce sera intéressant, autant pour moi que pour vous, de faire vraiment le jeu de fond en comble. Écoutez, on verra. Si le jeu est assez court, peut-être que je continuerai. Sinon, j'arrêterai à la fin, une fois qu'on aura fini au moins la quête principale. On verra bien, on a le temps. Ouh là là, comme j'ai dit, c'est pas une vidéo prise de tête. On s'en fout. On va faire ça à mon rythme. Alors, cette rivière est dangereuse car elle est habitée par un étrange poisson. Si tu y nages, il te donnera un choc. Ah oui, je t'ai envoyé une barque, certain. Ah oui, c'est pour ça qu'on aura un bateau. On pourra mais faire tourner les joysticks gauche et droit. Alors ça, c'est important. Apprends à te servir des deux rames ensemble. Ouais, ils ont vachement mis l'accent sur les joysticks. Hein. En même temps, c'est normal. Elle était toute nouvelle. Les joysticks, c'était tout nouveau pour la PlayStation. Parce que bon, les joysticks avaient déjà été faits par la Nintendo 64. Où est-ce qu'il y en a eu déjà des joysticks? À part là. Des Mega Drive, non? Super Nintendo, non, non. C'était les premiers Nintendo à avoir fait ça? Putain. Ouais, enfin bon. Avant, on avait des espèces de gros joysticks là avec les. Putain, comment ça s'appelle? Oh, c'était sur les bornes d'arcade ça. On avait carrément des. Je sais plus comment on appelle ça. Je sais pas. Je vais en dire une connerie, mais bon, c'était l'ancêtre du joystick, on va dire. Mais ouais, apparemment, ouais, c'est Nintendo qui a commencé. Enfin bref, pourquoi je disais ça? Ah oui, la manette analogue, oui, c'était bah ouais, donc tout nouveau pour Sony. Alors ils ont voulu frapper un grand coup avec ce jeu-là. Donc c'est pour ça qu'on utilise beaucoup le joystick. Alors pour descendre de la barque, saute avec R1, tourne les rames lentement si tu veux vite arriver quelque part. Ok. Alors bon, et eh ben on va aller dessus. J'espère que ça va pas être un calvaire pour aller dessus. Ah, c'est bon. Donc, on va voir ça. Alors ça c'est ok, la droite, la gauche, et on va servir des deux en même temps. Il peut pas m'avoir comme ça. Bah oui, c'est du caoutchouc, donc il peut pas, hein, si je comprends bien. Ah oui, mais ça quand j'étais petit c'était un calvaire, ça. Ça c'était un calvaire, je me souviens. Maintenant ça va, j'arrive à comprendre comment on appelle ça? Comment on pagaie? Oh putain, je sais pas d'où j'ai sorti ça. Pagaie sur cette vieille loire. Vieux souvenir d'apprentissage de musique de collège, ça. Oh, un biscuit! Ah. Et la pièce de Spectre. Voilà. Qu'est-ce qu'ils me disent là? Lis-moi mes mails alors. Sans certains gadgets, ces singes sont inaccessibles. Parfois, il faut attendre d'avoir un nouveau gadget et revenir plus tard pour les capturer. Évidemment, ça, je l'avais déjà deviné. Mon bateau, il a disparu. Ah non, il est là, mon bateau. Alors, par contre, pour tourner... Ah, ça va, hein. Il réagit bien, hein. On peut aller super vite, hein. Attendez, je vais essayer de le faire cracher ses boyaux. Ah non. Non, ça marche pas, parce que... Essayer de le faire cracher ses boyaux, là. Ouais, si, ça va, il répond bien, hein. Bon, toi, de toute façon, j'ai pas peur de toi. Je tomberai jamais dans ton piège. Je sais, ne jamais dire jamais. Et là, il y a une cascade, non? Ouais, non. Je vais d'abord aller sur la plateforme. Il doit certainement y avoir... Ah oui, on peut monter. Hop, oulala, fais gaffe. Là, on peut monter. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah, il y a un singe, parfait. Alors, comment je vais l'avoir, lui, par contre? Je peux sauter ici et foutre un coup. Allez. Ah mais je l'ai eu. Putain, j'avais même pas vu que j'avais eu. Bon, très bien. J'allais dire, est-ce qu'on peut faire suicide dans l'eau? Mais non, je vais pas le faire parce que... Sinon je vais me faire... Oh bah qu'est-ce qui s'est passé là? Non. Non, 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 en plus je suis bloqué. Vite, vite. Oh, 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 oh.
Voilà ce que c'est de pas vouloir s'accrocher. Oh putain, vite, accroche-toi. Voilà, oh là là, j'ai failli faire le con là, hein. Il m'a pas repéré. Au moins, il m'a pas repéré aussi vite que le T-Rex de la zone précédente. Et heureusement, parce que sinon, là, j'avais signé mon arrêt de mort. Putain, alors, oh. Allez, je veux aller. Alors, comment je vais faire? Est-ce que je... Ah oui, j'en laisse une dans l'eau. Ouais, non, bon, allez. On va pas se faire chier. Tant pis pour celle-là. Oh ouais, mais celle-ci, j'aurais bien aimé la voir quand même. Putain, en fait, je disais que c'était pas compliqué, mais je galère comme un... Putain. Ah ouais. Oui, donc pour tourner à gauche, il faut actionner la rame... Attends. Pour aller à gauche, il faut actionner la rame de droite. Donc pour aller à droite, il faut actionner la rame de gauche. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Ce calvaire. Bon, les autres, je vais pas faire pareil. Allez, allez. Tourne, tourne. Là. Là, j'ai l'impression de... Ça me fait penser au... Quand on commence les jeux vidéo et qu'on joue à un jeu de voiture. On fait des gauches-droites sur la route, c'est assez marrant. Et là, j'avais l'impression d'être dans la même situation. Si tu trouves un appareil étrange, frappe-le et examine-le avec ton bâton. Alors, comment c'était la nage rapide avec la touche R1? Ce filet est drôlement rapide, n'est-ce pas? Bah oui, mais là... Là, ma cocotte, bah, j'ai pas pu l'utiliser, hein, parce que... Sinon, j'allais me faire électrocuter. D'accord, donc c'est ça dont il me parle et qu'il faut que j'actionne. Ok, mais est-ce qu'il va rester bloqué là-haut? Ah oui, mais j'aurais pu faire ça, là. Eh ouais, non, il reste pas bloqué. Donc, du coup... Ouais, je devrais simplement me dépêcher, quoi. Et ici, il y a quoi? Ouais, il y a rien. Et de l'autre côté, là-bas, je vois un truc qui clignote. Je sais pas trop si c'est un intérêt quelconque. Non, on peut le péter, ça? Pourquoi ça clignote? C'est un bug graphique? Bon, peut-être. Maybe. Putain, je crois que je l'ai vu, non? Ah non, c'est bon. Elle vient pas jusqu'ici, apparemment. Donc, tant mieux. Alors là, ça, et on va se dépêcher. C'est parti. Allez, go, dépêche-toi! Oh, punaise! Je suis passé. Allez, tiens. Et c'est bon! Moi, j'ai fini? Ah non, il m'en reste un. Il m'en reste un. Ah oui, je crois qu'on pouvait aller dans les deux sens, parce que tout à l'heure, j'avais vu une entrée similaire. Plus à droite. Ouais, oh, dis donc, ça fait des assez grands niveaux, quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal, ça. Bon, on va se focaliser sur les singes, enfin, sur le dernier, justement, qui nous reste à avoir. On dirait que je sais pas me servir. Vous me verrez utiliser les joysticks là. On dirait que je sais pas me servir d'une manette. C'est assez marrant. Je pense que j'aurais une caméra qui me filmerait. Je rigolerais bien, tiens. Ah, il est là. Il est... Oh putain. J'ai pas vu celle-ci. Ah, viens là, toi, mon singe. Voilà. Ah, ça va, mais je... Ça y est, je commence à être un pro. Voilà, là, là, là. Ape Escape, tu n'as plus de secret pour moi déjà. Ah, c'est triste, hein. Non, je rigole, je sais très bien que je vais en chier plus tard. Ah là là, oh que oui, ça je le sais. Et avec son fameux pas mal. Pas mal. Ah, j'ai cru que t'allais pas le dire. Ah là, il y avait un paquet de singes, dis donc, à voir. Oh. T'aurais pu me dire excellent. Enfin bon, bah écoutez, on va sauvegarder. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur, même si généralement, je sais pas, je vois pas comment on pourrait perdre les données. C'est vrai que ça c'est un truc, c'était bien protégé généralement dans les cartes mémoire, donc il n'y avait aucun souci. Quand t'as un problème de connexion avec ta carte mémoire, tu peux toujours tenter de la... Oh putain, je vais pas mettre chargé, sauvegarder. Tu peux toujours tenter de la refaire marcher en soufflant dedans et tout, alors que quand c'est... Quand tes données sont... alors, 8-3%. Ouais, est-ce que c'est en fonction des zones? Peut-être des zones. Ah ouais. Ouais, bon, je sais pas. Je sais toujours pas. Continue la partie, oui. Qu'est-ce que je disais? Ouais, la carte mémoire, on peut toujours la... souffler dedans. Alors quoi, ouais, les données qui sont à l'intérieur, comme sur une PS3, ben, dès que les données sont erronées, c'est erroné, quoi. Tu peux plus rien y faire. Hein. Ça, c'est sûr. Enfin bon, je suis pas en train de promouvoir les cartes mémoire. Hein. Je suis premier à dire que c'est bien d'avoir
Là, c'est mieux d'avoir un disque dur interne, quoi. Enfin, c'est normal, maintenant. Mais bon, voilà. Enfin, bref, R, c'est nous... Enfin, quoique je dis ça, mais j'ai déjà eu des cartes mémoire qui marchaient plus et j'ai jamais pu les refaire marcher, hein, donc bon... R, Cénozoïque des ruines, ici. Petite cinématique, non? Non? Alors, capture 6 singes, ah ouais, ça fait un paquet quand même. Là, si déjà c'est la zone 2, je sais pas combien il y a de zones, mais 6 par zone, il faut en capturer. Attends, 13? Ah oui, non, 6. 13 en tout. Mais ouais, 6, après peut-être qu'on va augmenter à 9. On va aller loin comme ça. Tiens, lui, il me dit pas grand-chose. En tout cas, je sais que j'avais été plus loin, hein, comme je vous avais dit dans la première vidéo. J'adore le fond d'écran. Quoique, c'est pas mal, ça fait rêver. Ça fait rêver quand même, malgré tout. Enfin, quand on aime les pixels, bien sûr. Hein. L'arrière-plan. Hein. Enfin, ouais, comme j'avais dit dans la première vidéo. Oh putain, lui, il faut le taper deux fois. Le niveau d'attribut d'un singe indique sa force. Pour voir ses niveaux, certains... Sers-toi de... Putain, ça y est, je commence à m'y mettre. Sers-toi de la vue rapprochée L2 du radar à singe. D'accord. Il vaut mieux commencer par capturer les singes avec les niveaux les plus faibles. Ah bon? Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Je vois pas pourquoi. Ouais, je disais que dans la première vidéo, oui, j'avais fait le jeu pendant super longtemps. Enfin, je l'avais. Pendant toute une nuit, j'y avais joué avec des potes. Et je sais que, même si ce niveau me dit rien, je sais très bien qu'on a été plus loin. C'était même... on s'approchait même de la fin. Parce que là, si on traverse les époques, je me souviens que... C'est quoi cette barre, cette machine? On peut s'accrocher? Ah ouais, on peut s'accrocher, d'accord. Ouais, je me souviens qu'on était dans une ère qui était beaucoup plus technologique, en fait. Donc, ça veut bien dire qu'on s'approchait vachement de la fin, alors. On y était tout près, hein. Ça, c'est sûr. Bon, alors, le singe de là-haut, je pense que... Ouais, c'est bon. Je peux pas tout de suite, ça, c'est sûr. Alors, fais voir un peu le... Et qu'est-ce qu'il dit, donc, L2? Ah oui, d'accord! Ah ouais! D'accord, j'en cible un et j'appuie sur L2. Ok! Ouais, bon... Pour moi, je sais pas, ça va me servir à grand chose. Moi, je fais pas vraiment la différence. C'est-à-dire que bon, s'il est résistant, je vais galérer. Et s'il est pas résistant, je vais l'avoir facilement. Et puis, un peu, c'est tout. Après, je réfléchis pas plus. Hein. Je vais pas dire, oulala, alors lui, il est un peu plus compliqué. Donc, attends, je vais y aller en rampant. Et puis, je vais essayer de l'attaquer par derrière. Non, j'avoue, je suis quelqu'un d'assez bourrin, en fait, dans les jeux vidéo. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je fonce d'abord. Et si jamais je me fais défoncer... je réfléchis, voilà. Je fonce d'abord et si je me fais défoncer, je réfléchis. C'est plutôt comme ça. Allez, tiens, toi, tu viens vers moi, t'es vraiment trop con. Hein. Ils auraient dû ajouter une caractéristique intelligence parce que là, c'est pas très très folichon. Hein. Enfin bon. Alors, est-ce qu'il y a une entrée de ce machin là? Parce que. Comment on y accède? On peut pas placer la caméra en haut donc je peux pas regarder. Est-ce qu'il faudra pas un... Là, il y a un truc rouge. Est-ce que c'est du décor ou est-ce que c'est un interrupteur? Parce que sinon, c'est bien possible qu'il faudra un gadget comme dans la première zone qui nous permet d'accéder à des boutons. Ah ouais, non, il y en a un autre là-bas. Ouais, qui nous permet d'accéder à des boutons. Ah bah si, parce que de toute façon, il faudra attendre que je puisse planer, je pense. Ouais. Ouais, des boutons à travers des grilles, mais bon, là, apparemment, il va falloir plutôt attendre de planer. Parce que là, ouais, même si je monte sur les plots, ouais, ça marche pas. Bon, bref, on reviendra là au cas où. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Merde. On dirait qu'il y a un bloc que tu peux déplacer à l'intérieur des ruines. Essaye de pousser un bloc qui n'a pas l'air à sa place. Un bloc qui n'a pas l'air à sa place. Bon, on va bien voir. Bon, là, j'en ai pas besoin de cookies, là. Alors, un bloc qui n'a pas l'air à sa place. Où est-ce que ça peut être? C'est pas ce gros machin, quand même.
Là, il y a... Ah bah si, là, il y a un emplacement et ça voudrait dire que ça, ça, on peut le pousser, ça Non, bah non, quand même. Quand même pas. C'est assez... C'est trop énorme. Bon, là, tu me dis quoi? De gros dangers se profilent. Cette zone est difficile pour les débutants. Ne t'aventure pas loin si tu n'as jamais exploré ce type de zone. D'accord. Ouais, je pense que encore une fois, il va falloir planer. Mais j'aimerais bien savoir de quoi il parle par rapport au... La boîte aux lettres est à côté. Donc, c'est-à-dire qu'il parle... Ah ouais, mais non, je peux pas déplacer ça, il y a une plateforme au-dessus. Bon. Bon, bah, tant pis. On en trouvera bien plus tard. Allez, hop, on va là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, il y a... Les ennemis se diversifient pas mal, hein. Ça aussi, je m'en souvenais plus du tout. J'ai compris ce que veulent dire les lumières des singes. Bleu... veut dire que tout va bien. Jaune, qui sont sur leur garde, et rouge, c'est la panique. D'accord. Si les singes te repèrent, la lampe devient rouge. Fais attention, car les singes peuvent être violents. I know. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, mais ça, c'est pour sortir, d'accord. Bien. Oh là là. Tiens, ça me fait penser... Ah bah si, ça me fait carrément penser à une... Oh putain, mais ça se divise. Ouais, ça me fait carrément penser à un monstre d'un jeu... Enfin, bah, de Dragon Quest. Que j'avais joué sur 3DS. Et puis bon, il y a des espèces de petits monstres comme ça, ça me fait penser. Je sais même pas, ils ont un nom d'ailleurs, bien connu. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est des blobs, des blobs. Non, je sais plus. C'est un nom comme ça. Hein. C'est un nom en hub. Allez, je bourrine. Ah, punaise. Bon, c'est bien, au moins ils sont gentils, ils donnent pas mal de cookies. Hein. Je sais pas par contre si on peut augmenter notre. Pas notre jauge de vie, mais notre nombre de cookies. Voilà, par contre, si je vais peut-être y aller en furtif. Putain, il me voit vraiment pas, il est vraiment con. Hein. Allez, tiens. Ouais, bon, peut-être que ça s'améliorera pas la suite, leur intelligence. Putain, on est déjà à une demi-heure. Et j'ai même pas fait de niveau. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec la zone 1. Moi, je me disais, bon, bah, on a fait une zone en une vidéo, bah, on va faire une zone par vidéo. Bah non, 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 bah, on va sûrement pas faire ça, non, ça c'est sûr. Bon, alors là, apparemment, il prend pas en compte le poids, donc c'est bon. Si on fait un minimum d'attention, ça ira. Alors là, il y a des trucs qui clignotent, mais à mon avis, ce sera quand on aura un gadget, encore une fois. Ou alors, on peut le pousser. Non. Bon, bah au moins j'aurais tout essayé, hein, je pense. Voilà, qu'est-ce qu'il fait le machin? Il tombe ou pas? On va y aller. Voilà. Il y a des trucs en dessous, là, non? Oh, on a monté d'un étage. Alors. Ouais, c'est quand même grand, hein. Je disais le contraire dans l'autre vidéo. Mais c'est vrai qu'avec le temps, en avançant dans le jeu, les niveaux deviennent vachement spacieux. Oh putain. Oh, je l'ai pas eu. Ah si. Oh là, ça a été gentil encore une fois. Hein. Ah, bah c'est ces blocs-là, voilà. Je me disais bien aussi. Ouh là là, carrément, d'accord. Ça a carrément cassé, là. Ça, c'est pas mal, hein, franchement. Je redécouvre complètement le jeu et j'avoue que j'adore. C'est tellement agréable à faire. Autant il y a des jeux, des fois tu reprends après je sais pas combien d'années et puis tu subis un peu le gameplay, alors que là ça va. Mais je pense que son avantage, le fait qu'on subisse pas le gameplay, c'est parce qu'il y a très peu de jeux qui ont été faits comme lui. Parce que des jeux qui évoluent à travers le temps et qui gardent toujours le même gameplay, eh ben c'est des jeux bon, voilà, qui ont donc subi des modifications. Oh là là! Oh! Ouais, ce sont des jeux qui ont eu le temps d'évoluer avec le temps et qui ont acquis une certaine facilité ou des moyens pour que le joueur y prenne un peu plus de plaisir. Alors, c'est vrai que pour ces jeux-là, ce qui concerne ces jeux qui ont subi une évolution, et ben quand on rejoue aux anciens, alors là, on subit complètement le gameplay. Oh putain, alors là, il va falloir que je fasse attention, là. Je vais...
On peut faire des petits pas comme ça. Mais peut-être que ce serait plus judicieux d'y aller comme ça. Ouais, alors que... Ouais, on subit complètement le gameplay. Attendez, je me concentre. Lorsqu'on rejoue aux anciens jeux, je pense notamment à... À quoi je peux penser? Bah, je me refais les Devil May Cry, là. Enfin, je me fais les Devil May Cry. Mais avec le classique HD, je les avais jamais fait. Et puis, on voit que entre les opus, ben, il y a certaines modifications, des facilités de gameplay qui ont été implémentées par la suite par rapport au premier, même si le premier est tout à fait jouable. Non, franchement, je pense que c'est un mauvais exemple. Je viens de donner un mauvais exemple parce que ça reste... J'ai pas éprouvé de difficulté dans le gameplay. Mais il y a d'autres jeux quand même où on voit des lacunes. Alors que celui-ci, ben bon, c'est un jeu de plateforme classique. Oh, avec la fresque de... Enfin, les effets de lumière là sur le... Enfin, je sais pas si c'est des effets de lumière, non, c'est de la peinture. Sur les murs avec Spectre. Très très joli. Alors là, j'ai peur. Là, je peux tomber ou pas? Bon. Taïo! Oh putain, oui, je peux tomber. Oh, non! Oh, j'aurais pas dû faire Taïo. Et ça influe en quoi? Ouais, ça influe que j'ai perdu une vie. Et que je recommence de là. Bon. Eh ben, mouise. C'est de la mouise, tiens. Je me suis fait avoir, mais j'ai touché quand même. Ah, mince. Bon, bah, première mort, hein. Première mort, ça y est. Putain. Tiens, ta gueule. Là, j'ai vu un rebord, là. Quoi ça peut servir, ce rebord? Oh, j'ai peut-être découvert un truc, là. Mais attendez, je vais d'abord voir ça. Tiens. T'as découvert un petit passage, non? Je sais pas. Je sais pas si je le connaissais. Et effectivement, il y a un singe. Et c'est pas facile. Je me gamelle. Allez, là! Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Tac. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose de prendre de l'élan. Mais c'est que... Oh, putain! Mais en fait, il se cogne... C'est pas assez épais. En fait, il se cogne contre le mur. Ou alors, pas assez. Aïe, 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 aïe. Bon. Faut prendre notre temps. Il faut être droit. Allez, la caméra, là. Ah, il y a problème de caméra, quand même, à cause de ça. Mais bon. Tant pis. Hop. C'est bon. Allez. Plus qu'à réussir le prochain, et c'est bon. Te mets pas contre le mur. Ah, oh, j'y arriverai pas, hein. Je vais pas y arriver. Putain, pourtant, il n'y a rien de compliqué, là. Allez. Là, tu te mets droit, mais tu fonces pas contre le mur. Tac. Ah, là, je le sens bien. Oh, oui. Pourtant, là, niveau perspective, c'était pas génial. Qu'est-ce qu'il a, la main? Il a un flingue? Ah, oui. Tiens. Et voilà, je t'ai eu. Et toi, je parie que t'étais un difficile. Je sais pas, j'ai pas pris le temps de regarder. Mais plutôt rien à faire. Enfin bref. Ouais, bah là, tant que je peux. Ouf, là, je prends des risques. Oh putain, oui, je prends un risque de dingue là. Ouh, je crois qu'il faut que je recommence à aller doucement plutôt. Ouais, j'ai envie de dire. Pendant qu'on peut choper des singes qui sont pas super simples à prendre, bah autant le faire. Parce que comme ça, quand on recommencera le jeu, pour le finir de Phantom Comble. Eh ben, on sera un peu moins embêté. On va sauter bien loin, comme ça, on sera sûr. Oui, ah oui, il fait du vent, lui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Non, non. Oh, putain, d'accord. Oh, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, mais alors... ah ben, c'est là où il faut exploiter le fait d'aller doucement, alors. Aïe, aïe, aïe. Ouais, attends. Caméra droite, s'il te plaît, parce que sinon... Oula, 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 je joue avec le feu, là, quand même, hein. En fait, j'ai envie d'aller vite, mais... En même temps, on peut pas trop, parce que sinon, on finit dans le vide. Allez, là, c'est bon, je le sens bien. Voilà. Alors, faudrait pas qu'il me repère. Du moins, pas tout de suite. Non, ah ouais, mais... Et là, si je me mets là? Là, je subis pas le vent. Là, je subis pas le vent. Donc, oh putain. Là, il va revenir là, non? Aïe, 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 aïe. Allez.
Aïe 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 putain. Vite, 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 mais. Mais pourquoi il avance plus? Des fois il avance, des fois il avance plus. C'est... Oh je peux pas. Oh ouais mais non non non, je vais dégager. Vite dégage, mais dégage. Mais... Oh. Bon, eh ben je retire ce que j'ai dit, on va plutôt faire ça quand on aura un peu plus de gadgets et un peu plus d'expérience dans le jeu, parce que. c'est dangereux leur machin. Oh. Spike, tu sais que tu peux utiliser les touches directionnelles pour faire tourner la ca... Ah non, ça je savais pas. Oh, c'est comme ça alors. Si je veux regarder en haut et tout. Oh. Bon, bah merci, tu vois, là ça a été bien utile. Bah, je sais pas si ça sera utile par la suite, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Ah, et là je me retrouve directement dans le machin. Bah tiens, toi je t'attrape et c'est fini. Non, putain, petit fail. Bon, un fail par vidéo, hein. Je l'ai dit, un seul fail par vidéo, non, merde. Bon, bah du coup, en fait, pas besoin de planer, rien du tout. Il y avait juste besoin de traverser le niveau. Et au bout d'un moment, on allait atterrir à l'intérieur de cette espèce de... Je sais pas comment on peut appeler ça. Hein. Mais c'est justement des... Eh ouais, c'est justement ces genres de bâtisses-là que parlait... Que parlait le vieux par rapport au fait que les singes, enfin, oh non, en tombant, ah bah si, en tombant de haut on peut se faire mal. Bon, d'accord, ok. Alors est-ce que j'ai le singe quand même? Oui, je l'ai, oui je l'ai. Ah ouais, mince. Bon, et mais en fait je suis en train de me rendre compte d'un truc là, c'est qu'on va être obligé d'avoir celui avec le vent. Parce que sinon, après, on va dans une zone qui est beaucoup trop compliquée pour nous, etc., etc. Oh là 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 là, on va galérer. Oh, qu'on va galérer. Bon, alors, ouais, non. Je vais éviter d'aller tuer l'autre, comme ça, au moins, au cas où, j'aurai toujours un cookie, un ou deux cookies en rab. Je passe par là, mais je sais pas si le vent est activé de base, là-bas. Parce que peut-être que je peux y aller. Non, je pense pas. Sinon, il n'y aurait pas ce passage-là. Je ne sais pas à quoi il servirait. Mais là, il faudrait que je trouve un moyen. Oh putain, non, mais quel con. Oh là 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 là. Bon, lui, je vais... Ah si, si, il faut que je le tue quand même, parce que si... Putain. Parce que sinon, il allait me gêner. Ah, chiotte. Mais attendez, je suis à 3 vies, là. Bon, on s'en fout, il y a... C'est... Ouais, en fait on s'en fout pas. Les vies, dès qu'on en a plus, ouais, le truc c'est qu'après on doit refaire le niveau. Autant pour la première zone c'était pas super important parce que dans la première zone, bon, t'as 3 singes à attraper et les niveaux sont courts. Alors que là, quand les niveaux vont commencer à se compliquer et que ça va être super dur et tout, là c'est vraiment pas le moment où je dois perdre des vies. Je dois plutôt tenter d'en gagner parce qu'après ça va se compliquer et si je dois recommencer, si je me fais un game over. De recommencer le niveau et c'est là où je vais m'en vouloir justement d'avoir perdu trop de vie et pas en avoir engrangé assez avant. Ouais, donc il faut que je trouve un moyen d'approcher ben doucement, mais alors ou alors je fonce dans le tas comme j'avais dit. Je sais pas, est-ce qu'il me repère là? Merde, il s'est relevé, putain. Bon, vite, brouille. Aïe 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 aïe, allez allez allez, tiens. Oh, il a pas appuyé, il a pas appuyé. Il a appuyé. Allez, viens là. Oui, je t'ai eu. Oh putain, mais grouille, mais vas-y. Oh. Bon, je reviens en arrière. Allez. Sors. Oui, je sors. Putain. Oh non. Bon, toi, je te tue. Alors, me touche pas, s'il te plaît. Putain, je le vois même pas. Yes. C'est bon. Oh, 3 cookies. Oh, qu'il est gentil. Oh, merci. Alors, je vais juste vérifier s'il y a le vent. Ah, il n'y a pas le vent. Mais oui, je peux y aller comme ça, putain. Oh là là. Et en fait, il faut que j'approche comme ça. Mais oui, il n'y a rien de plus simple. Ah, mais il... Putain, ce con. Il va quand même dessus. Ouais, en fait, le chemin à droite, c'était pour le... C'était pour la pièce de Spectre. Putain, mais saleté de singe quand même, hein. Reviens en arrière. Appuie pas sur le bouton. Allez, 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 allez. Je t'ai eu. Yes.
Waouh. Eh, ça se complique, oh. Putain, c'est pas de la mouise. Bon, 15 minutes là pour faire un autre niveau, je pense qu'on tiendra pas toujours les 1 heure. Hein. Je pense que des fois on va les dépasser. Là par exemple, je vais faire un autre niveau. Donc, je pense qu'on va dépasser l'heure. À moins que je ne galère pas autant que celui-ci, hein, c'est tout à fait possible. Alors, est-ce qu'on a des choses nouvelles? Non. Bon, comme d'habitude, on va les sauvegarder. Pour voir un petit peu l'avancement des pourcentages. Bon, après, sinon, au niveau encyclopédie des singes, là... Ah ouais, d'accord. Ah oui, il change carrément de... Ah ouais, bah c'est celui qui m'a fait chier, là. Putain, carrément, alerte 4, attaque 3. Putain, qu'à la deuxième zone, ils nous mettent déjà des singes comme ça. Putain, la première zone, c'est que pour... Waouh. C'est de la gnognotte, en fait. C'est juste pour ce... Putain, je parlais de jeu pour casual, mais putain, oh. C'est que pour le premier. Parce que là... Putain, ce qu'ils nous mettent, c'est... Si ça augmente toujours pareil, la difficulté... Bah, déjà d'une, je comprends pourquoi j'avais galéré autant, pourquoi on l'avait pas fini, et de deux, bah, je sais ce qui m'attend, hein. Des bonnes heures de galère devant moi, hein. Ouhou, ça va être fun, dis donc. Alors, continuer la partie, oui. On va aller se dépêcher, on va aller faire le troisième niveau de la zone. Alors, je sais pas s'il y a toujours trois niveaux dans une zone. Peut-être, hein. Peut-être. Bon. Mais là... J'ai toujours trouvé les pièces de Spectre, donc ça me fait chier en fait pour le deuxième niveau de pas l'avoir trouvé. Ah bah là je l'ai pas trouvé non plus. Mais attends. Mais si, mais j'en ai trouvé. Ah mais c'est si. Ah oui, mais non. Il y a un symbole quand tu les as toutes trouvées. Ah ouais, bah non, laisse tomber. Allez. Bah oui, mais en fait je crois qu'il y en a que 3 à chaque fois. Hein. Qui a bâti ceci? Eh bien ce sont les singes avec leur masque, enfin leur casque d'intelligence. Un nouveau gadget est prêt. Ah ouais, encore? Allez, dis-moi que c'est celui que je pense. C'est un lance-pierre pour divers projectiles. Je te les envoie. Essaie-les dans ta zone d'entraînement. Finis cette phase, sinon tu ne pourras pas passer au niveau suivant. Bonne chance. Ah d'accord, on a un niveau d'entraînement en plus. Bon. Bah dans ce cas, j'hésite, hein. On va voir, enfin on va voir. Si je mets pas trop de temps à le faire, on va enchaîner sur le niveau. Alors là... ah oui, d'accord. Ouh là là. Attends. Ouh là là, faut que je lise, là. Le lance-pierre te sert à éliminer tes ennemis lointains. Tire le joystick vers toi, puis relâche-le pour tirer. Incline et tourne le joystick droit pour viser. Le projectile se dirigera vers le curseur bleu. Curseur bleu. Droit pour viser le projectile. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a un curseur. D'accord. Ah oui, c'est inverser les touches. Quand je vais à gauche, le curseur va à droite. Tac. Ça y est, je suis un pro du lance-pierre, moi. Ouais, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a une petite visée automatique, non? Oh, ça va, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas... Franchement, il est pas évident à faire. Hein. Là, avec les analogues, c'est pas giga bien exploité. Hein. Enfin, en même temps, qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Mais c'est juste que c'est un peu trop... Un peu trop rapide. Là, on va à droite, ça va tout de suite. Ouais, c'est peut-être un peu trop rapide, mais bon, ça va. L2 t'aide à... Ah, atteindre les interrupteurs hors de ta portée. Ah, c'est peut-être plus facile, du coup, avec L2. Faut utiliser ton inspire avec la visée. Place le viseur sur ta cible, d'accord. Fais voir. Pour retourner à la vue normale, je sais, avec le viseur, L2 tire sur l'interrupteur. Oui, c'est bon. Fais-moi voir ça. Ah, ouais. Ah, bah oui, forcément, là. Forcément, ça va mieux. D'accord. Ouais, mais bon, dans le feu de l'action, t'as pas toujours le temps de te mettre en situation, enfin de te mettre en L2. Le lance-pierre peut tirer 3 projectiles normaux, lumineux, guidés. Ah, tiens. Si tu tiens le lance-pierre, tu peux changer de projectile en poussant le joystick droit. Ah, d'accord. Attends, si tu tiens le lance-pierre... Ah oui, je les vois les projectiles là à droite. Tu peux changer de projectile en poussant... Ah, en poussant! Oui, eux, ils disent pousser, mais c'est appuyer dessus, en fait. Seuls les projectiles normaux sont illimités. Pour les autres, trouve des objets pour faire le plein. Ah, putain, on a une notion d'armement, en fait, de munitions.
Ah, c'est marrant, ça aussi, je m'en souvenais plus. Et c'est donc... Comme quoi, il y a plein de choses dans le jeu, hein, c'est... Putain, oh. Je suis impressionné, je redécouvre plein de choses. Change de projectile, oui, tu l'as dit, vas-y, et tire avec elle de mes... Je sais, ça... Bon, on va en essayer un, je pense que c'est l'entraînement, ils nous en remettront, c'est pas des crevards. Par contre, faut pas que je me loupe. Est-ce que ça explose, ça? Ouais, en quelque sorte. Et là, on a des projectiles, tête chercheuse, donc si je tire là... Ah non, c'est pas tête chercheuse, c'est... D'accord, ok, j'ai compris. Donc, ok. Ah, mais ça, là, c'est illimité, d'accord, donc on peut se faire plaisir. Ok, et là, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur L2. Hop, on va se mettre là, et bim! Allez! Ah, mais il faut tendre, et hop. Ok, ouais, bon, ça c'est pas évident. Surtout qu'en fait, on vise pas, quoi, c'est de la chance. On peut aussi viser avec celui du milieu, par exemple. Ah, mais si! Ah, je l'avais loqué, et après, ça y allait tout seul. Oh, mais c'est pas mal, ce truc. C'est franchement pas mal. Pas mal, bonne chance. Si tu as besoin du lance-pierre, va à l'écran, je sais, tu te souviens quoi faire. Oui, c'est bon, je sais quoi faire. Bon, on va enchaîner sur le niveau, hein. Tant pis pour la longueur. On va voir, on va voir, on va voir. Alors, combien de singes? 5. Bon, 5. Allez, ça va. Par contre, peut-être que le niveau sera grand. Est-ce que je m'en souviens? Ouais, bon. Oh, sympa. Ah oui, j'ai oublié de dire, de faire la remarque. Spectre, la voix de Spectre me fait penser à une voix, une VF qui est aussi dans... C'est peut-être la même d'ailleurs, je me posais la question. Dans Spyro 1. Dans Spyro 1, quand on délivrait des dragons, je crois que même le tout premier qu'on délivre, il a la voix de Spectre. Bon, je peux me tromper. Si tu te concentres sur les singes, l'ennemi te piégera. Commence par éliminer l'ennemi. Concentre sur les singes, la nuit te piégera. Hein? Ouais, d'accord, c'est, j'ai compris, oui. Parce qu'il peut y avoir des ennemis à côté des singes, et si l'ennemi voit que tu te focalises sur le singe, alors il t'attaquera. C'est mieux d'aller où, là, d'abord? Ah, putain. Alors, tourner la caméra avec les touches directionnelles, c'est pas évident. Bon, j'ai cru qu'il y avait un mur invisible. Ah, c'est sympa, le fond, quand même. Les espèces d'étoiles filantes, là. Ah, j'aime bien. Ça se casse pas la gueule, ça, au moins. Non, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il y avait, là-bas? Ah, faudrait peut-être que j'essaye. N'oublie pas ton lance-pierre. Appuie sur... Ah oui, je l'ai oublié, oui. Start. Et tu dois le savoir... Parcours. Parcours. Ils ont oublié le... Il y avait peut-être pas le caractère OE. Mais bon, ils auraient pu mettre un E, ou alors ils ont carrément oublié le E. Oui, je le connais, parcours, maintenant. Appuie sur L2 pour viser la cible. Ouais, c'est bon, je sais, j'ai fait l'entraînement, mon gars. Mais ça m'intrigue là-bas quand même. Allez, vous savez quoi? J'avais dit qu'il fallait faire attention à ma vie, mais tant pis. On va faire les warriors. Ah, j'ai peur quand même, là. Ça va jusqu'à où, là-bas, il y a quoi? Ah ouais. Ouais. J'ai peur, hein. Mais bon, allez. Taïo! Ouh. Oh, c'est bon. Bon, je vais pas ramasser les morceaux de... apéritif là parce que... Wow. Tiens, tu m'as fait peur toi. Moi je sais pas ce que c'est, ça c'est des triangles dorés, des gâteaux apéritifs, des bouts de fromage, je sais pas. Bon, d'accord. C'était peut-être un raccourci en fait finalement. Et ça où est-ce qu'il faut le foutre? Ah, sur l'interrupteur. Tac. Ah oui, là-bas j'ai l'interrupteur pour mon lance-pierre, à mon avis ça doit me... Alors là, ça m'ouvre ça pour un singe. Et là, à mon avis, ça doit me... peut-être m'ouvrir... Ah oui, il faut que je le fasse. Ça doit peut-être m'ouvrir... comment ça s'appelle? Un espèce de pont. On va voir ça tout de suite. Tac. Tac. Et ouais, j'avais raison. Ah, sympa, le pont. Comment on quitte... Ah oui, il fait un peu futuriste, d'ailleurs, le pont. C'est assez bizarre pour l'époque. Allez, toi, hop, t'as eu ça un peu. Pff, tu sers à rien, mon gars. Je t'ai eu comme je voulais. Alors, mais par contre, du coup, j'ai pas été en bas, alors je sais pas s'il y avait quelque chose d'intéressant. Wow, qu'est-ce qu'il fait, là? Putain, il m'a touché. Ah oui, oulala.
Attends, 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 toi, je vais te faire ta fête. Et tire, voilà. Attends, faut que je m'y fasse là avec la caméra et tout là. Vas-y, tire. Tac. Tac. Et je peux pas monter. Bon. Alors, en fait, il faut que je vise avec L2. Tac. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais oublié en bas? Tiens, toi, je vais t'avoir quand ça sera fait. Et en bas, là, il y a quelque chose d'intéressant. En fait, j'ai peur d'aller là-bas et qu'il y ait... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? L2. Allez, L2. Ouais, ah, il y a un singe. Et si je fais ça... Hop. Ah oui, c'est juste pour un singe. Ah bah tant mieux, on va y aller. On va y aller, à mon avis, là-bas, c'est... Ouais, ça, c'est souvent des trucs que j'aime pas trop dans les jeux, mais bon, ils sont obligés, c'est normal, hein. Est-ce qu'elle se casse la gueule ou quoi? Ouais, c'est que souvent... Oh, punaise! Il y a souvent plusieurs chemins possibles, et j'hésite souvent longtemps avant de me décider de prendre un chemin. Et finalement, ouais. Ouais, bah c'est bon, ok, d'accord. Et là, ouais, bah, je vais pas sauter parce que sinon je vais perdre un... Si, là, je peux sauter, là. Allez. Ouais, c'est bon, parfait. Parfait, ça, magnifique. Hop. Toi, je te lance pierre dans la gueule. J'ouvre le passage. Perfect, magnifique. On avance. J'ai combien de singes, là? 3, ah, non, 2. Il m'en reste 3. Oh putain, c'est quoi ce machin là? Ouh là là, je peux pas l'avoir comme ça lui? Ah si, au bout d'un moment il a le tournis et je peux l'avoir, d'accord. Ouh là, 3 cookies, bah, ça va, t'es gentil, mais j'en avais besoin que de 2. Pas besoin de viser. Là il y a quoi dedans? Un singe, non? Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors, lui on va le tuer. Putain, mais non! Je crois toujours que je suis trop loin. Oh bah merde, j'aurais pas le cookie. Je peux l'avoir avec ça? Ah bah oui, je peux faire ça aussi. Bon, il y a deux entrées, on va aller à la première. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ouh, c'est lugubre. Ouais, il faut bien que je tape avant, hein, parce que... Souvent, j'ai tendance à vouloir trop me rapprocher. Et bon, comme le... Ouh, c'est quoi ça? Ah oui, c'est pour mon lance-pierre, je parie. Ouais, c'est ça, c'était diffusé. Ouais, comme le sabre a tendance à être trop court, ben, j'avance un peu plus. Oulala, j'ai failli faire le con. On va prendre le lance-pierre. Voilà, on va aller doucement. Tac. Et je peux avoir aussi le... Tiens, mais ça fait... Ah. Je commençais à pas comprendre. On peut avoir le singe avec le lance-pierre aussi. Tiens! Oh putain, mais en fait, il en a rien à foutre! Merde, j'ai changé de... Oh, allez! Non! Cet enfoiré. Tiens! Oh putain, je t'ai pas eu. Ah, ça va, il est pas rapide, lui. Allez, je t'ai eu. Mais putain, merde, j'ai utilisé des munitions. Bon, bah, tant pis. Et ouais, parce que les petites pierres, et oui, c'est normal. Les petites pierres lui font rien. Et puis quand tu changes de munitions, quand tu prends des trucs plus rares et donc plus puissants, et ben il est assommé un peu plus longtemps. Et oui, c'est normal. Et c'est géré, donc c'est bien. Alors, bon, il m'en reste 2. Je pense qu'on va les trouver ici, ce serait pas mal. Puis même, de toute façon, on est obligé, le niveau continue, il y en a tellement... Est-ce qu'il n'y en a pas que 5 à la base dans le niveau? Ah, qu'est-ce qu'il me dit là? Accélère la rotation avec de la caméra. Oui, je sais, quand tu sauras utiliser la caméra arrière, tu en seras fou. Ouais, bah c'est bon, je sais déjà faire. Bon, ça, je comprends toujours pas pourquoi parfois t'as des trucs qui clignotent. Ok. Et je suis bloqué? Ah non. Hop. On les tire. Voilà. Alors, il est où ce singe, là? Qu'est-ce qu'il est, ce singe? Toi, tu crois que tu me fais peur avec tes bananes? Ah oui, mais t'as un fusil ou putain, oulala, ça rigole plus. Tiens,
Et tiens, voilà. Allez, plus qu'un. Bon, on va aller là. Ouais, je le vois, le singe. Je vois le singe qui me reste. Toi, toi, je t'aime, toi. Putain, vite. Ouh là 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 là. Alors là, là, il va falloir jouer du... Il va falloir jouer du lance-pierre, là. Ou pas. Attends, là, il y a de l'eau. Non, en fait, on va... Si. Si, 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 on va faire ça, parce que sinon, les ennemis, ils vont m'attaquer. Donc, on va d'abord tuer les ennemis. Lui, il peut pas m'atteindre de là, le singe. Apparemment, il est trop con pour m'atteindre de là. Donc, moi, je vais... D'accord, le divin. Complètement. Complètement ta base. Il est complètement ta base. C'est un... Oh, putain, si, il peut m'atteindre de là. Bon, alors, d'accord. Là, t'as signé ton arrêt de mort. D'accord. Ok, il veut jouer de moi. Il veut jouer de moi, celui-là. Hein. Bah, tu vas pas jouer longtemps. C'est moi qui te le dis. Tiens. Allez, on a fini le niveau. Ça se complique. Ça se complique, surtout si là on va passer à une autre zone. Ouais, donc s'il y a 3 niveaux par zone, c'est pas mal. La difficulté, si elle va crescendo comme ça, c'est parfait. Ah ouais, tout du bon. Tout de bon dans ce jeu. Pas mal. Je sais, baby. Ah, oh. Qu'est-ce qui se passe? Un duel? Règle, le premier arrivé gagne. Entre toi et moi. Suis-moi. Ah ouais, je me souviens de ça. Enfin, par contre, je me souviens plus de la course. Hein. Ouh là là, je sens que je vais me viander. En route. Ouh là là. C'est une course de quoi? C'est juste comme ça, là, la course? Oh putain! Ah mais merde! Ah, oh, chiotte! J'ai pas compris, c'était des accélérateurs. Oh merde. Oh mais monte. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? Oh yo yo. Par contre, je perds quoi? Je perds qu'un biscuit ou je perds... Ah non, je crois que je vais perdre une vie carrément. Hein. Oh, fait chier. Oh putain, il double saut. Tiens, il se la joue à la Mario là. Ah ouah 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 ouah. Ah ouais, le double saut, en fait, faut le faire dès que t'es tout en haut. Tu peux pas le faire à tout moment. Oh putain, mais c'est chaud, dis donc. Ouais, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Oh, wow, mais c'est qu'un petit défi en fait, on va pas le refaire après, si. C'est un niveau bonus, non, je sais même pas. Ouais, ya ya. Ah, si, c'est bon, je crois que ça allait tourner, mais c'est qu'on peut pas tourner quand on est comme ça. Il y a encore un peu d'eau. Putain, c'est. Ouais, là, c'est bon, il a gagné, hein. Ah, dommage. Dommage. Parce que j'étais bien remonté à la fin. Wow. Wow. Ah, sympa ces courses. Franchement, je me souvenais plus du tout non plus. Beaucoup de choses que je me souvenais pas. En même temps, en plus de 10 ans, on en oublie des choses. Ouais, je sais, tu vas me narguer. Tu m'as gagné. Je sais que t'as gagné, je sais. Faut que je recommence? Non? Si? Ah, je recommence pas. Ça servait à quoi, en fait? On va voir si je vais là. Putain, c'est dommage. Ouais, c'était peut-être un petit truc bonus, mais alors ça m'aurait servi à gagner quoi? Ah ouais, bah, on change de zone. Ah, et la course, elle est là. Ah, faut que je la refasse. Par contre, j'ai pas vu si j'ai perdu une vie. Je sais pas. Bah, on va la refaire, et si j'y arrive pas... bah, ce serait con, parce que j'ai... J'aime pas me laisser des choses à faire pour la prochaine fois. Je déteste avoir des devoirs. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir dans cette vidéo-là pour pas avoir à le refaire plus tard. Allez, on va mettre toutes les chances de notre côté. Putain, il me rattrape ce con, dis donc. Ah putain, mais ça c'est galère aussi. Hein. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il va super vite! Oh non! Oh, je vais presque même plus vite comme ça. Bon, par contre, j'ai perdu tous mes cookies, mais c'est pas grave. Non, mais ça, c'est abusé! Comment il allait vite? Mais je le rattraperai jamais! Bah, à la course, je la ferai une autre fois. Ah, mais il est que là.
Attends, mais il s'est viandé ou quoi? Ah, donc en fait, c'est possible. Ah, c'est possible. Ah, c'est possible. Oh, je vais peut-être le griller dans la dernière ligne droite. Oh oui, je l'ai grillé. Oh putain, alors là, faut pas que... Oh. Putain, putain, il fait encore le con, là. Oh, vite. Oh putain, oui, je l'ai eu. Wow. Ah, sur les plaques, il est over-cheaté. Mais au moins, après, niveau course, ça va, je le rattrape. Oh, yo, yo. Oh, je l'ai eu, mais d'un cheveu, là. Et ouais, Defeated. Quoi, j'ai gagné 5 pièces? Ah oui, c'est des bonus, en fait, pour gagner des pièces. De nouveau, non, pas tout de suite, s'il te plaît, oh. Là, c'est bon, j'ai eu mon compte. Hein. J'ai eu mon compte d'adrénaline. Et du coup, j'ai débloqué le premier mini-jeu. Eh ben, écoutez... on le fera une prochaine fois, peut-être à la fin de la prochaine vidéo. Comme ça, si je vois que, par exemple, on n'a pas le temps de finir enfin, on n'a pas le temps de faire un autre niveau, je sais pas, on est à 55 minutes et voilà, c'est pas encore une heure, bah je peux me faire un petit jeu. Mais bon, pour l'heure, il est l'heure. J'ai passé l'heure. Donc, eh bien, écoutez, je vous dis... Attendez, non, on va d'abord aller sauvegarder. Hop. Allez, voilà. Je suppose qu'au niveau des pourcentages, je vais toujours pas comprendre comment ça se passe, hein, mais tant pis. Alors, sauvegarder, yes, oui. Voilà. 14, 3%. Bon, toujours rien compris, mais tant pis. Continue la partie, non. Eh ben, écoutez, ça m'a fait encore bien plaisir, cette petite heure de Ape Escape, là. Je suis bien content de m'y être remis. Et je suis bien parti pour le terminer parce que j'en ai vraiment envie et je sens que c'est accessible, même si ça va se compliquer. Allez, retournez bien à vos occupations. Qu'est-ce que j'avais dit que je disais à la fin? Rendez-vous pour la prochaine partie, c'est bon, ça va le faire. Et ciao à tous.